Pendant de longues années, le concours de Miss France, c'était-elle. Geneviève de Fontenay était la figure incontournable de l'élection de la plus belle femme du pays. Et si elle a quitté la tête du comité depuis 7 ans, elle garde néanmoins un regard très critique sur le travail de la nouvelle directrice générale, Sylvie Tellier, son ancienne Miss à qui elle a tout appris. Fidèle au poste, elle a donc fait son petit compte rendu de la cérémonie qui a eu lieu hier soir à Châteauroux. Éliée pour la prochaine élection de Miss France. Et ça commence par un point positif, la dame au chapeau est ravie que Miss Nord-Pas-de-Calais ait été élue Miss France 2018, la jeune femme à la chevelure de feu faisait même partie de ses favorites. Par contre, elle s'est montrée beaucoup moins satisfaite concernant l'organisation du concours. Dans un communiqué, Geneviève de Fontenay a pointé du doigt le manque d'égalité permanent entre les candidates qui devraient selon elle porter des costumes, des robes et des maillots de bain identiques, et danser sur les mêmes tableaux. Si elle n'a d'ailleurs fait aucun commentaire sur les maillots de bain, une pièce très colorée et échancrée, elle n'a pas du tout aimé les costumes folkloriques, difficiles à reconnaître et surchargés. Au Danse avec les stars, Geneviève de Fontenay défend Elodie Gossuin et désingue l'émission. Autre point négatif pour la maman du concours Miss France, Iris Mittenaer. Alors bien sûr, elle n'a rien contre la reine de beauté, mais elle regrette qu'elle n'ait pas davantage été mise en valeur lors de la cérémonie. L'ex-Miss Univers était présidente du jury, et pour Geneviève de Fontenay, elle aurait dû être la star de l'élection. Iris aurait dû ouvrir la cérémonie avec une belle robe, sa couronne et son écharpe de Miss Univers, ainsi que couronner la nouvelle élue, a-t-elle expliqué avant d'ajouter, elle n'a existé que par son décolleté. Un détail qui n'a pourtant pas dérangé les nombreux internautes, qui ont commenté la tenue de la belle Lilloise, toute la soirée sur les réseaux sociaux. Bref, la dame au chapeau est catégorique, Miss France, ce n'est plus ce que c'était. Point.